Allez, c'est parti, aujourd'hui, on va découvrir un énorme sound system dub, le Blackboard Jungle. Ça se passe en juillet 2022 au Setlo, au festival Alpine Dub, qui a accueilli l'un des plus gros sounds de France. Et on est gâté car le système est ici au complet, on a 3 stacks de 8 scoops, c'est-à-dire 24 caissons de basse, c'est beaucoup. Quand je parle de sound system dans cette vidéo, je fais référence aux sonorisations artisanales et notamment celles issues de la culture jamaïcaine. Dans les faits, la distinction sound system, sonorisation professionnelle est un peu trop variable pour qu'on tire des conclusions à la hâte, mais ce qu'on peut dire, c'est que souvent, ces sound systems, ils sont un peu plus à l'ancienne et imaginés pour avoir certaines qualités sonores difficilement atteignables autrement. Typiquement, c'est souvent du point source, il y a des préamplis analogiques, les éléments s'empilent et se sanglent, il y a beaucoup de puissance dans le bas, beaucoup de contrôle sur sound system en général. Dans tous les cas, c'est réalisé par des passionnés, ces sound systems, qui veulent entendre la musique comme ils l'aiment. Et dans la vidéo, vous verrez très concrètement comment ces préférences, comment ces choix s'appliquent du point de vue technique. Le sponsor de cette vidéo, c'est moi et ma boutique coolkidsaudio.com. Cool Kids Audio, c'est ma boutique idéale en studio et en hi-fi, et même depuis peu en live et sound system. Je viens d'intégrer les produits RC Audio que les fans de sound system connaissent probablement puisque le Levelyza, ce formidable outil de normalisation du volume, est rapidement devenu un classique dans les sound systems. Cette marque RC Audio a aussi d'autres produits, le Basswatch pour maintenir un niveau cohérent dans les subs et depuis peu le Red Alert pour aider les DJ à ne pas jouer dans le rouge. Je vous mets les liens en description pour en savoir plus. Je vous laisse aussi le lien de mon site web boringvicmastering.com si vous voulez faire appel à mes services en mastering. Sans plus attendre, je vous laisse donc découvrir le superbe Blackboard Jungle Sound System au festival Alpine Dub 2022. Salut Nico. Salut Victor. Ça va? Ça va et toi, impeccable. Très bien. Et du coup, tu es l'opérateur de Blackboard, c'est ça? C'est ça, opérateur et sélecteur. Donc opérateur, c'est tout ce qui est réglage du son. Et sélecteur, il s'agit de choisir les musiques qu'on va passer et de passer les disques. Est-ce que tu nous fais un petit tour de ton rack et après de tes enceintes? Ouais, alors en fait, donc on a un système aujourd'hui, le système de Blackboard au complet. Donc il y a 24 scoops, 18 kicks et 4 têtes de médium aigu par mur, donc 12. C'est un gros système aujourd'hui, hein, c'est ça? Ouais, c'est un gros système, ouais, on peut dire ça. Ouais. Du coup, c'est super simple au niveau de l'installation. Tu vois qu'il n'y a pas grand-chose en fait. Donc ça, c'est un tableau électrique d'arrivée qui est tout simple avec 3 amplis. Donc c'est des amplis de marque PowerSoft de série X. On a 2 X8 et 1 X4L en bas. Donc le X4L, la différence, c'est qu'il est vraiment dédié au sub. Il a une alimentation qui est dédiée vraiment pour le sub. Donc on a 8 canaux sur les deux premiers et 4 canaux en bas. Ok, donc c'est des amplis avec DSP, c'est ça? C'est des amplis avec DSP incorporés, tout à fait. Qui nous permet de faire pas mal de choses, de l'équalisation, modifier les fréquences de coupure des enceintes, mettre les enceintes en phase aussi. Il y a des délais par rapport à chaque enceinte pour que le son sorte vraiment en même temps. Là, on a l'unité centrale du sound system, en fait. Tout se passe un peu là dans le réglage de la musique. Donc on appelle ça un préampli. Dans le reggae et le dub, c'est vraiment un préampli. C'est pas la même chose qu'un préampli comme un préampli micro ou un préampli instrument. En studio. Donc c'est un peu le cerveau du sound system, c'est d'ici que tout part. Donc c'est un peu une table de mixage. Donc en fait là on a le volume d'entrée de la musique, là on a le volume d'entrée de cette autre unité qu'on verra après. Là tout simplement c'est un input selector, donc on va choisir la source musicale de l'entrée. Donc on peut choisir un phono, donc une platine disque ou différentes lines. Donc ça c'était le volume d'entrée. Après les volumes de sortie sont séparés en 5. Donc comme les enceintes en 5, hein, on a les subs qui sont des scoops sur la sono. Donc là, ça match tes fréquences de coupure de tes amplis, ça, ou tout à fait. En fait, chaque fréquence est séparée à l'aide de ce processeur qui fait partie intégrante du préamp. En fait, c'est un préamp assez unique où le processeur qu'on voit au-dessus qui nous permet aussi de séparer les fréquences et tout ça. En fait, le son part du préamp pour aller dans le processeur et revient dans le préamp. Et après, ça, c'est les sorties qui partent directement aux amplis. Ok, donc ton crossover, il est là-dedans, il est numérique. Et ça, ouais. C'est juste tes sorties, en fait. Et tout ça, c'est analogique, tout à fait. Donc ça, c'est mes volumes de sortie qui sont dédiés à des canaux d'ampli. Donc là, on a le volume de sub, le volume de basse, donc le bas de la basse, le sub et le haut de la basse. Basse, c'est plutôt ce qu'on appelle le kick? C'est ça, c'est le kick, ça va être vraiment le punch de la basse et les notes hautes de la basse. Ça se sépare à combien de, à quelle fréquence? Alors, ça se sépare à 70 Hz dans notre configuration, entre les subs et la basse. Et la basse monte jusqu'à 160 Hz. Après, on a les médiums
qui sont des haut-parleurs 12 pouces sur la sono. Donc là, je règle mon volume de médium. Après, j'ai ce qu'on appelle les horns, en fait, c'est des pavillons d'aigu. Et le tweeter, qui est vraiment le haut de l'aigu, qui sont vraiment le scintillement des Charleston et tout ça dans la musique. Au-dessus, on a ce qu'on appelle des cuts. Donc en fait, quand je fais ça, ça fait comme si je mettais mon volume à zéro. Ça me permet de ne pas toucher au volume, mais de muter une fréquence complètement. Donc par exemple, quand je joue une chanson, au début, je vais souvent commencer sans basse et sans sub, donc avec ces boutons-là en haut. Et en fait, le volume sera à zéro. Et je peux envoyer du coup, d'un coup, le volume de basse sans avoir à régler mon volume. Après, en général, j'ajuste le volume par rapport à la chanson que je suis en train de jouer. Et pareil pour les subs. Après, on a pas mal de réglages. Donc ça, c'est un equalizer graphique qui va de 16 kHz à 30 Hz. On a un autre equalizer graphique qui est là, qui va de 30 Hz à 80 Hz, qui est beaucoup plus précis et qui est uniquement dédié aux subs. Okay. Qui permet vraiment d'affiner les fréquences qu'on veut faire ressortir des caissons sub. Et là, on a encore un autre equalizer qui est paramétrique, qui permet encore d'aller chercher des petites notes qu'on veut faire ressortir, que ce soit dans les basses ou dans les aigus, un petit peu partout. Et voilà, on a fait le tour, c'est vraiment assez simple en fait. Après là on a un autre module qui est rattaché ici, donc comme je disais, le volume auxiliaire là, ça contrôle le volume de tout ça. Alors ici c'est pareil, c'est un peu une table de mixage avec des petites pistes séparées, donc là j'aurai une piste de micro, une autre piste de micro, avec un réglage simple d'aigu et de basse, des envois d'effets, et après c'est pareil, là j'ai des petites pistes avec des envois d'effets selon si je veux les mettre sur des sirènes, sur la musique. Et après, tout ce qu'on a au-dessus, là, en fait, c'est des sirènes. On appelle ça souvent des dub sirènes dans les sound systems dub. Donc, c'est des modulateurs de fréquence, en fait, qui vont nous faire différents sons. Donc, on peut en tester une, par exemple. Donc là, on a un son. Là, on va en avoir un autre. Ce bouton-là, ça va être un autre son. Celui-ci, encore un autre. Et après, ça, c'est relais. C'est directement envoyé sur un délai qui va nous permettre de moduler le son, le prolonger, l'envoyer plus longtemps. Et en fait, de moduler le son, le transformer, le faire durer plus ou moins longtemps et tout ça. Après, là, on a un Boss DE200, donc ça, c'est un délai tout simple qu'on envoie sur la musique de temps en temps pour sur des caisses claires, un peu comme on peut mixer des chansons en studio. On va pouvoir appliquer des répétitions sur différentes choses. Et ça, c'est encore un autre multi-effet. Celui-ci, il est uniquement pour les micros. Donc, on a une petite réverb sur les micros et un délai un peu court. Et voilà, on a fait le tour, quoi. C'est assez basique, en fait. Et ton track one, c'est pour le micro, du coup? Ouais, ça c'est pour un micro, donc là j'ai des entrées micro simples et on a un micro qui est plus dédié au chanteur, où là on va pouvoir, donc ça c'est un préampli, mais pas comme celui-ci, c'est un préampli comme le studio. Un petit et, channel strip quoi. Ouais, c'est assez simple, c'est pareil, il y a un equalizer paramétrique, il y a un petit compresseur, et voilà, ça nous permet d'affiner un peu le micro, quand il y a des larsen, de les supprimer en trouvant la fréquence qui va pas, et voilà, pour avoir essayer d'avoir un micro de bonne qualité, vraiment quand on a des chanteurs qui poussent vraiment la chansonnette. Après ça suffit si on veut parler, animer, mais c'est très bien, ça suffit largement. Est-ce que tu nous parles du setup mix du coup, en dub, qui est un peu particulier? Du setup mix, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tes platines, t'as qu'une platine vinyle. Ah voilà, j'ai qu'une platine, donc ouais, tout à fait. Donc en fait, on n'enchaîne pas les morceaux. On joue les disques un par un sans les enchaîner au tempo. Alors le truc, c'est pareil, ça va pas être comme un mix en électro où on va essayer de mixer au tempo, accélérer le tempo au cours de la soirée. Là, on peut passer d'un disque rapide à un disque très lent après, pour vraiment faire voyager les gens toute la soirée, mais pas forcément
un tempo qui va de plus en plus vite. Et donc quand on change de disque, donc souvent sur un disque on a une version vocale avec un chanteur, des fois on a une version après avec, donc on appelle ça un riddim, donc la même musique, mais au lieu d'avoir le chanteur, on va avoir des cuivres par exemple pour un mélodica, et après on va avoir la version dub qui est vraiment épurée, drum and bass, donc basse, batterie, quelques effets, et en fait on va jouer comme ça sur la même musique, 3-4 versions à la suite. Et en fait pour changer les versions ou pour changer de disque, on balance un petit coup d'écho sur la musique, il y a un gars au micro qui est là pour parler aux gens, ambiancer les gens, faire combler un petit peu ces trous là. On utilise aussi les sirènes pour toutes ces transitions. Et voilà, ça fonctionne comme ça. Il y a toujours une bonne raison de mettre un délai alors. Il y a toujours une bonne raison de mettre un délai. Mais bon, c'est pas non plus systématique. Hein. On peut se contenter de baisser le son et puis tranquillement et puis de repartir après. Ça va dépendre si on veut vraiment, quand c'est le même rythme, la même musique, on va essayer de faire une transition où les gens perdent pas le rythme du morceau, vu que derrière c'est la même musique mais une version différente qui est mixée différemment avec des instruments différents. Si on change complètement, on peut très bien baisser le son et remonter après. Là, il y a un autre effet qui est intéressant. C'est un pad de batterie des années 70. Donc c'est comme les sirènes, c'est un générateur de son, c'est les premiers synthétiseurs en fait. C'est un pad de batterie. Donc là, il y a le délai dessus. Et on va pouvoir moduler les sons comme ça. À volonté, on peut tout modifier. Et donc on se sert aussi pas mal de ça, d'effets sonores en tout genre pour agrémenter la musique. Et après, donc on a ce qu'on appelle des MC, donc des maîtres des cérémonies qu'on retrouve aussi dans le rap et tout ça, qui sont là donc pour communiquer avec les gens entre les morceaux, mais aussi chanter sur les versions qu'on appelle le riddim pur, donc basse, batterie, accord. Et voilà, des chanteurs. On peut avoir aussi des fois des instrumentistes, comme des gens qui jouent du saxophone en direct, différents intervenants. Que tu nous fais un petit tour de ton système son, des enceintes, des boîtes? Ouais, donc on a trois murs. Donc on est en mono, on n'est pas en stéréo. Donc à l'ancienne, tout est en mono. Étant donné que ça n'aurait pas trop de sens de se mettre en stéréo, parce qu'on n'est pas vraiment comme dans une salle de concert ou comme dans ton salon, avec un mur à gauche, un mur à droite et le spectateur au milieu. Là, tu vas avoir des gens qui vont passer leur soirée devant ce mur-là, d'autres devant ce mur-là, d'autres au milieu, qui vont vraiment tous entendre la même chose. Donc tout est en mono. Donc on a un système en 5 voix. Toutes les caissons du bas, il y en a 8 sur celui-ci. C'est ce qu'on appelle des scoops ou des toboggans en français. Donc c'est un système pavillonné. C'est un vieux système d'enceinte qui date des années 70, qui n'a pas trop évolué et qu'on utilise toujours dans le reggae et le dub parce qu'on a des basses, des lignes de basses qui sont assez grasses avec des notes longues. Et ces caissons correspondent vraiment à ce type de musique en fait. Si on joue de la techno ou de la musique électro, on va avoir besoin plus de kick et de punch et pas d'une basse qui est grasse, qui traîne, donc on va pas trop utiliser ce type de caisson. Il y a une onde avant, directement du haut-parleur, et il y a l'onde arrière qui est dans un pavillon déplié en fait, qui fait presque 2 mètres de long, enfin plus de 2 mètres de long, je crois. Et donc ça c'est vraiment la section sub, comme je te disais, qui est en dessous de 70 Hz, c'est vraiment ce qui va nous faire vibrer les tripes et tout ça. Et donc ça c'est les caissons donc, de basse, donc le haut de la basse et le kick, donc ça c'est vraiment le punch. Donc là on voit pas le haut-parleur, il est à l'arrière, mais donc c'est une chambre close et uniquement un pavillon, il n'y a pas d'onde avant du haut-parleur comme celui-ci, il y a uniquement l'onde qui sort du pavillon. Et là, on a un 18 pouces en dessous. On a un 18 pouces, et là aussi, on est en 18 pouces. Qu'est-ce que tu utilises comme haut-parleur? Alors, il y a du RCF dans les scoops, du Fein dans les kicks qui sont là. Alors, c'est du 18 pouces les deux. Après, ça va pas être le même type de 18 pouces. Là, on va avoir une membrane lourde avec un gros aimant. Et là, on va avoir une membrane légère avec un petit aimant, parce que là, on a besoin que le haut-parleur bouge rapidement, en fait, pour avoir cet effet de kick percussif
que là, le haut-parleur va bouger beaucoup plus lentement, mais avec par contre beaucoup plus de débattement pour avoir cet effet de vibration et de souffle. Et voilà, pour ce qui est la partie basse, donc c'est quand même assez imposant dans le système. Les basses dans le reggae et dans le dub, c'est quelque chose qui, on voit ça, qui fait partie intégrante de la musique et on y accorde une grande place, mais pas que, parce que le médium et l'aigu sont quand même intéressants et c'est important d'avoir une clarté, d'avoir une portée aussi, il faut que les enceintes portent assez loin, parce que tu as vu, là, entre les deux murs, là, on doit avoir à peu près 30 mètres entre celui-ci et celui d'en face. Donc le but, c'est qu'on arrive à sonoriser à peu près toute l'arène et que le son soit intéressant, quelle que soit la position où tu es. Alors, qu'est-ce que tu as dans les têtes ? Alors, dans les têtes, on a le médium et l'aigu, donc c'est en trois voix en fait. Donc là, on va avoir deux 12 pouces qui sont pavillonnés aussi, qui servent à restituer le médium. Et après, au milieu, on va avoir un gros haut-parleur coaxial, donc deux haut-parleurs en un, avec un gros pavillon qui est le carré qu'on voit au milieu. Donc là, c'est quoi ? C'est dans le centre du cône que tu as un tweeter ? C'est ça, dans le centre du cône, je vais avoir donc ces deux haut-parleurs en un, vraiment avec deux borniers, mais qui donnent dans le même pavillon. Une trompe en fait qui va bien diffuser le son. Et ça, tu m'as dit, c'est dans le carré qu'on voit au milieu là. Ouais, il est délimité un peu par la poussière. En fait, en haut et en bas, c'est les évents des 12 pouces. Et le milieu, on va avoir un gros pavillon, une grosse trompe avec ses haut-parleurs coaxial où dedans, on a un pavillon d'aigu et donc une compression et un gros tweeter par enceinte. Donc on est en trois voix là-haut et deux voix de basse. Donc en fait, en cinq voix, comme je te disais, donc le préampli, lui, est en 5 voix et on contrôle vraiment le volume de chaque voix avec le préampli. Ouais, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce qui est particulier, c'est que c'est pas juste un EQ comme ça par bande où tu as 5 bandes, c'est vraiment les sorties en fait de ton crossover que tu vas contrôler. Tout à fait. Et donc, quand tu éteins une certaine fréquence, c'est vraiment un haut-parleur qui s'arrête, quoi. Qui s'arrête, tout à fait, c'est ça. Et ça va nous permettre aussi, parce qu'on aime bien jouer assez fort, on va pas se le cacher, pousser les systèmes un peu dans leur retranchement. Et en fait, le fait d'avoir vraiment un volume par enceinte et par haut-parleur va nous permettre de pousser ces haut-parleurs à son maximum sans pouvoir endommager l'autre qui est vraiment sur une autre sortie. Donc on va pouvoir régler chaque section pour les équilibrer, mais aussi pour les pousser pas chacune au maximum, parce qu'ils vont avoir chacune leurs limites, mais on cherche toujours à équilibrer quand même les fréquences, hein. Le but, c'est pas de jouer tout le plus fort possible, mais de les équilibrer, mais d'aller chercher un peu quand même les limites, surtout au niveau des subs. Parce que là, qu'est-ce qui te pose limite sur un système comme ça, quand t'as ces subs et ces têtes là, aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va s'arrêter en premier ? Il n'y a rien qui va s'arrêter. Où tu vas clipper en premier ou... Alors ça dépend, parce qu'en fait, souvent on va clipper dans les subs quand même, parce qu'on c'est ce qu'on pousse le plus en fait. Mais ça peut être autre chose, si on a un chanteur qui chante vraiment fort, ça peut être le médium qui va clipper un peu. Après, comme je te disais, on a des amplis de dernière technologie avec des DSP qui sont capables de compresser et d'analyser le retour des haut-parleurs, si ça arrive en saturation. C'est des DSP super performants avec des limiteurs. Donc il y a 3-4 limiteurs pour un seul haut-parleur, le limiteur RMS, le limiteur de pic, le limiteur de tension. Donc on protège pas mal les haut-parleurs avec ça. Ok, donc t'en casses peut-être moins qu'à une époque, c'est ça ? C'est ça, beaucoup moins depuis qu'on a ces systèmes d'ampli avec DSP et tout ça. Parce qu'avec les vieux amplis toriques, bah, la limite c'était uniquement défini par l'oreille. Et puis bon, des fois, parti dans l'ambiance, ça peut arriver de casser des choses. Mais là, ça fait longtemps qu'on n'a rien cassé, on touche du bois. Et voilà, non, il n'y a rien qui clip vraiment avant l'autre. Après, en général, c'est les oreilles qui clipent, hein, avant les haut-parleurs. On s'arrête avant d'avoir trop mal aux oreilles. Comme je disais, le but, c'est de jouer fort, mais le but, c'est pas que les gens repartent avec les oreilles qui sifflent non plus, quoi. C'est plus dans le ressenti de la musique. Aussi, les basses, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent corporellement. On cherche vraiment à ressentir la musique aussi bien qu'on l'entend. Ben, on joue aussi, contrairement à une façade de concert ou même à des sound systems techno, on joue avec sans retour, on n'a pas d'enceinte de retour en fait. Les enceintes sont tournées vers l'opérateur, vers les chanteurs, les artistes et tout ça, pour que nous, on entende ce que le public entend en fait. Si c'est trop fort, je vais le ressentir, le public va le ressentir en même temps, je vais baisser. Et en fait, on est vraiment tous dans le même univers musical, quoi. Et d'ailleurs, on joue au sol aussi pour ça, pour être au même niveau que les gens. Il n'y a pas un artiste qui te regarde de haut sur scène et tout ça. Il y a aussi donc le message que ça véhicule, on n'a pas parlé de ça. Mais le message que notre musique, donc le reggae, véhicule, où on est tous égaux, libres, bien sûr. Et plein d'autres messages, la paix, l'amour, il y a plein de choses à dire là-dessus. Et donc voilà, on est au sol, au niveau des gens, on entend la même chose
Et voilà, on essaye d'être dans l'unité, tous ensemble, pour passer un bon moment, c'est vraiment le principal. Bah super, j'espère qu'on va passer un bon moment ce soir. Ouais, avec plaisir. Merci en tout cas, Nico. Je t'en prie. Allez, bonne soirée. Merci.